Local. Ah, c'est quoi? Depuis que je suis arrivé, tu as une mine bizarre, tu ne parles pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi s'il te plaît. Mais si tu as un problème, tu m'expliques. Je vois si je peux t'aider. C'est à ça que servent les amis. Ma force, ça ne va pas. Dis, ça ne va pas. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Tout le temps, il faut que je paye les acteurs. Il faut que je paye. Je ne sais même pas là où je vais tourner et tout et tout. Tu sais que je m'en sors pas, que ce n'est pas facile pour moi. Je suis fatiguée. Je sais. Je cherche la gloire comme ça, je cherche. Père Foy, ça ne va pas. Mais est-ce que tu as déjà cherché à savoir ce qui ne va pas ou à chercher un producteur, par exemple? Un producteur? Oui, un producteur. Mais c'est comment ça? Je pensais qu'il devait venir seul, non, tu vois. Genre, je cherchais la visibilité et puis ils viennent seuls, mais je ne savais pas qu'il est parti chercher. Je ne connais vraiment personne, il est parti chercher un producteur comment? Je connais qui? Hasard. Attends, je vais t'expliquer. Est-ce que tu connais mon ami Césaria? Oui. Voilà. C'est qu'elle est grosse. Oui. C'est qu'elle est sincère. En fait, elle aussi, bon, je lui ai présenté à une dame qui l'a beaucoup épaulée. Mmh. Mmh. Tu sais qu'elle aussi, elle passait des moments difficiles. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'elle peut aussi t'aider. Parce que Césaria, devine quoi, elle a déjà une boutique. Césaria? Oui. Donc, ah, d'accord. Oui. Maintenant, elle a sa boutique. Donc, je pense... Et c'est la femme-là qui l'a aidée? Oui, c'est la femme-là. Elle aide beaucoup de monde, hein. Ah bon? Oui, elle aide beaucoup de gens. Moi-même, à un certain niveau de ma vie, elle m'a beaucoup épaulé, je te jure. Donc, je pense que je vais vous mettre en contact. Ou je vais te donner son contact, si tu préfères. Mmh. Comme ça, tu vas la voir. Et on paye, quand on veut, on paye la politique là. Genre, elle dose mon argent comme ça. Non, elle aura son pourcentage, t'inquiète pas. Mmh. Elle aura son pourcentage. Ok, merci. Ok. Sinon, à part ça, tu racontes quoi? Ensuite, dans le tournage, les abonnés m'ont montré comme si c'était les graines d'arachide. Alors, et tu te plains de quoi? Ton succès m'a venu. Pourquoi vous êtes là exactement? Afro m'a dit que vous êtes productrice, que vous aidez les gens. Et comme on a fait les vidéos, là, j'ai besoin d'une personne qui va me financer. Il m'a passé votre contact. Il m'a dit que vous pouvez m'aider. Ok, j'espère qu'il vous a tout dit. Hein? Oui, il m'a parlé de tous les pourcentages et tout et tout. Veuillez vous asseoir. Merci madame. Ici, il n'est pas question de pourcentage. Le pourcentage. Moi, je n'ai pas l'argent. Quand il a dit que pourcentage, parce que quand on va pouvoir projeter, on gagne. Je suis stressée, mais. Ok. Non. Restez comme vous êtes. C'est très belle. Yes. Bon, ok. Je vais être très claire. Vous êtes tout à fait mon goût. Et si vous voulez que ça se passe bien, soyez calme, restez calme. Si vous voulez que ça se passe bien, faites tout ce que je vous demande. Bon. Je vais prendre acte de votre dossier.
Vous partiez, il peut rentrer. Oui, permettez que je prenne acte quelques secondes. Ne soyez pas naïf. Bon, je vais vous prendre. Donc, allez-y, prenez. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. J'ai hâte de vous revoir. J'habite en Dokoti, c'est 500. C'est pas grave. Si vous êtes sage, vous aurez tout ce que vous voulez, je vous promets. Et alors? J'habite en Dokoti, Swandini. Qu'est-ce qui est étrange déjà? Déjà, Swandini, pourtant c'est le summum. Sois les miettes, maman. C'est rien. Vous ne comprenez pas, elle. On ne comprend pas quoi. Elle a commencé à me toucher là-bas, genre. Elle est. Il y a tout ça, tu fais quoi? Ouais, à fond, la jeunesse. Afro, c'est comme si elle est une femme. Quand elle a commencé à me toucher, j'arrive, elle me touche là comme ça. Après, elle m'a demandé de venir chez elle. Et puis quoi? Dis-moi un truc choquant. Depuis là, tu fais comme si quelqu'un était mort. Qu'est-ce qui choque dedans? Ça me dépasse. C'est une femme, mon frère. C'était mon moment seulement, on devait comprendre. C'est une femme qui. Elle est mon frère. Ah, mon frère, c'est l'homme. La prostitution, ça t'arrange. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Tu connais même qui est la femme là? Tu connais réellement qui est la femme là? C'est madame Ondoa. Elle ne connaît pas. Son mari, c'est monsieur Ondoa. Si tu ne connaissais pas, le type là est lourd. Pas vos petits lourds que 10 millions comptent en main. Le type là est lourd. En euros, s'il te plaît, convertis en francs, c'est pas. Est-ce que tu entends ça? Tu es là même que oh, tu as l'opportunité d'avoir une femme comme ça et tout. Tu veux bouder? Je suis dépassée, tu boudes le gouvernement. Oh! La femme que j'ai rencontrée, ça fait 2 ans. Tu crois que je suis arrivée une grosse commande? Explique-lui, papa. Tu es bien, même là. J'ouvre ma deuxième boutique la semaine prochaine. Déjà, maman. Hey! Reste là, tu dors. Je suis allée là-bas, je te garde, moi je voulais le financement. Moi je voulais pas être que star et quoi. Je lui ai dit, on me met dedans. Je vais ouvrir, je vais faire la ligne de Dubaï, Turquie. Elle m'a dit, ok. Tu crois que, oh, petite, écoute-moi très bien. Parfois, non. Il faut faire certaines choses pour arriver où on veut. Effectivement. Là où je suis, là. Moi, j'ai rien avec son mari. Tiens, je vois son mari aussi. Regarde-moi, il faut qu'elle ait la femme. Mon frère. Moi, je viens le mari, c'est lui qui est bon. Tant qu'il met l'argent à terre, ça va. Le type premier rendez-vous avant le transport, le type ne soit 500 000. Est-ce que là tu dors? Toi, tu habites seulement en Dokoti. Elle était à côté de la maison. 500 000 avant le transport. J'ai géré une fois avec lui. Non, mais tu veux quoi? Quelque part, là où tu vois là, non. Je vais se mettre à la boutique. Il m'a dit, sois-moi un business. Il n'est même pas tardé. Une semaine, il sort mon business. Pas. On m'a mis 10 millions. Mais c'est plutôt au courant. Mais ça va même pas au courant, comment? 10 millions. J'entends ça. Tu sais, je passe ici au pays. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les réalités de la vie. Tu veux Brice? Oui. Tu es sûre que tu veux Brice? Elle ne veut pas Brice. Je veux Brice, non. Tu es prête à tout. Oui. Oui, mais pourquoi tu dis ça, Jacques? Tu es sûre? T'en avais dans le sac, non, mais c'est quoi? Oui, je veux Brice. Et maintenant, pourquoi tu te tues? Le truc est clair.
regarde, tu n'es même pas obligé de tout faire, genre, machin, de passer de mec à mec et tout. Tu peux juste gérer avec un homme, c'est une fois. Une fois seulement. Mais une fois, non. Tu mets les bases. Même trois fois. Afro. Non, mais sérieusement, tu gères une fois et tout. Ça te sent un bâton. Ça te lance. Mais maintenant, est-ce que tu vas pouvoir avoir entretenu les un bâton là? Parce que un bâton, ça finit. Et ça, c'est un mec que tu m'as donné. Avant, va te dire. Le lendemain, 12 et 9. Maman, j'ai bu le jour là. J'ai bu. Il dit que le lendemain, je n'avais plus l'argent. On a bu, on chantait nos noms dans toutes les boîtes de doigts. Reste là, tu dors. Il m'a dit, c'est moi qu'on sortait les aider. Ok, compris. Il veut une fois, non. Une fois. Même si une fois, il me donne pas d'argent là. Je veux, tu paies toi. Je fais après. Et ça finit, ça c'est le savon. Les bonnes décisions. Ok. Les mauvais choix a-t-il les bons résultats? Enfin, tu es toujours comme ça. Moi, ma chérie, moi, je dois partir. C'est à vous que ma petite voulait te faire un peu. En tout cas, tu vas venir à l'inauguration de ma boutique, non? Oui, oui, oui. D'accord, on se voit. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Afro, tu es toujours comme ça. Maman. Deuxième boutique. Possible, c'est possible comme ça. Hey. Fais-moi comme ça.